Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scoreboard. En dessous, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche parce que ce que nous allons voir ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Il y a quelques semaines, nous avons fait, il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo pour expliquer comment les femmes vont, c'est-à-dire comment les femmes pactisent ou encore faire des fonds de contrat avec les démons juste pour être belle. À la fin de cette vidéo, vous verrez cette vidéo apparaître juste là sur l'écran. Vous en saurez plus. Et ici, on peut dire que c'est la deuxième partie. En fait, comment ça, ça finit? Ça risque de vous paraître bizarre, mais dans la première partie, nous avons découvert ça. Et tous les abonnés qui ont regardé ça ont été surpris comme nous. Et il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié la vidéo parce que ça parlait des tas de choses. Et dans cette vidéo, nous allons montrer des beautés très magiques, des beautés extraordinaires, même qui viennent des démons. Et nous verrons aussi comment ça finit, parce que chaque chose a une fin. Quand une femme se lève le matin et elle décide de se maquiller, on a l'impression qu'elle cherche à cacher quelque chose. Mais cette chose qu'elle cherche à cacher, elle peut apparaître un jour, ou du moins, un jour ça va apparaître sous nos yeux et nous verrons toutes ces choses. Il est avantageux de se montrer avec votre apparence naturelle que de vous cacher derrière des choses qu'on appelle aujourd'hui des maquillages. De toutes les façons, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi il est important de s'accepter comme on est au lieu de se cacher derrière des masques. Suivez-nous. Allons au studio, nous allons voir des choses audio comme ça. Ce que nous allons voir ici, mes frères et soeurs, ça va vous étonner. Regardez, regardez déjà ici. Que voyez-vous à l'écran? Waouh! À l'écran, on peut voir une femme. Elle, elle est jolie, ça c'est clair. Elle, elle est ici, elle est belle. Mais les femmes, même quand elles sont belles, elles ne se trouvent pas trop jolies. C'est en ce moment-là, elle va décider d'ajouter quelque chose à sa beauté. Et c'est même cette chose-là que nous allons découvrir ici. Et mais regardez déjà ce que ça va donner. Ça va la transformer en cette femme qui est ici. Très belle comme ça. Oh, elle est jolie. Et on va dire que c'est un make-up magique. C'est comme si c'était de la magie. C'est comme si c'est par la magie ou par le pouvoir de la magie qu'elle a pu avoir cette beauté-là. Mes frères et sœurs, le monde fait peur. Et vous allez voir. Vous allez voir que réellement, c'était ça son visage. Regardez comment elle est. Dieu l'a créée ainsi. Sans problème. Elle est belle. Elle est naturelle. Elle est irréprochable. On peut dire qu'elle a pratiquement, elle a pratiquement pas de défauts. Mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe concrètement chez les gens. Mais vous allez voir que quand même, quand elle va recevoir cette beauté ou encore cette potion magique, elle va être transformée. Et cette potion magique ressemble à ça. Regardez ça. D'abord, on nous présente comment elle est. Et cette potion magique ressemble à ça, effectivement. Vous voyez ce qu'on lui met sur le visage? Voilà. Ce sont les make-up, les crayons, tout ce que vous connaissez. On pose ça sur le visage. Voilà. Exactement comme ça. Regardez, on met les trucs. On met la première couche, la deuxième couche. Après la troisième couche, ça, ça prend du temps. Même les femmes peuvent, ici peuvent en témoigner. Et le résultat va apparaître sur nos yeux. Voilà. C'est ça le résultat. Et la fille, elle est belle. Hein? Elle est jolie, encore plus jolie. Il faut dire qu'elle est jolie, même encore plus jolie qu'avant. Ça, c'est clair. Mais regardez-vous-même. Waouh. Il faut reconnaître que cette beauté est vraiment diabolique. C'est pas sa vraie beauté, elle est consciente de cela. Mais ce qu'elle suit, c'est qu'elle a changé. Voici encore une autre fille. Elle aussi, elle va recevoir une transformation hors du commun. Et le résultat risque de vous étonner aussi. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes actifs, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent ici. Et ce que nous allons voir, ce que vous allez voir, va même vous étonner. Regardez encore comment elle va être transformée. Vous serez même plus surpris que surpris. Waouh, on positionne tous ces genres de choses. Regardez. D'où ça vient? Les gens ne se posent pas de questions quand même. Hein? D'où c'est né?
Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on décide de se mettre tous ces produits-là? On peut dire qu'elle est devenue nouvelle. Mais elle est jolie, oh! Ça rend quand même joli, hein? C'est clair que ça rend très beau. Ça rend joli. Même la grand-mère dit pisse. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est vilain? Jamais. On ne peut pas dire que c'est vilain. On ne peut pas dire quelque chose de mauvais concernant ça. Mais vous allez voir que ça, véritablement, ça cache quelque chose. C'est comme vous. Vous voulez marier une femme. Et cette femme, déjà, elle se présente sous cette forme-là, sous cette apparence. Mais en clair, ce n'est pas son vrai visage. Que feriez-vous? Mais sur le diable, à un moment donné, on perd ce qu'on reçoit de lui. Et c'est ce que nous allons découvrir même ici. Regardez bien ce qui va se passer ici. Hein. Soyez prêts, parce que vous allez voir et comprendre pourquoi nous vous disons parfois même de vous respecter vous-même, d'être naturel et puis d'éviter certaines choses. Vous allez même être surpris parce que vous allez voir et entendre ici. Regardez ça. Vous voyez, cette femme qui est là, elle est censée être une sorcière ou encore un démon. Voyez-vous? Et cet enfant qu'elle a, c'est l'enfant à une femme qu'elle a utilisée juste parce que cette femme, elle voulait que cette femme lui donne un enfant. Mais en échange, elle a renouvelé la beauté de cette femme. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez voir que quand le diable a fini de vous utiliser, il va vous jeter comme une feuille morte. Regardez. Moi, mon garçon, au royaume de la magie. Vous venez juste un peu en arrière, écoutez bien. Là, il vient prendre l'enfant et il veut s'enfuir. Où m'emmenez-vous? Chez moi, mon garçon, au royaume de la magie. Pourrais-je créer des monstres? Oh, si tu le souhaites. Donc, elle lui dit qu'elle envoie chez elle. Au royaume de la magie, c'est-à-dire chez elle, là-bas, on fait de la magie et on peut faire des créatures bizarres. Vous êtes si bonne avec moi, ma tante. Il ne faudra pas songer seulement à t'amuser. Arthur sera bientôt là. Et j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Mère vient avec vous? Non, nous n'avons plus besoin d'elle, maman. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il lui pose la question de savoir, mais est-ce que maman vient avec nous? Mais elle dit, non, on n'a plus besoin d'elle. Écoutez ça. Vous êtes si bonne avec moi, ma tante. Il ne faudra pas songer seulement à t'amuser. Arthur sera bientôt là. Ah. Et j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Mère vient avec nous? Non, nous n'avons plus besoin d'elle, maman. Vous avez vu ça? Il demande à la femme, est-ce que sa maman va venir avec eux? Elle dit, non, on n'a plus besoin d'elle. On doit partir. C'est en ce moment-là. La femme elle-même étant ici, elle va sortir de la maison et voir que ce démon-là est tenté de partir avec son enfant. Et vous allez voir sa réaction. Regardez bien. Où allez-vous, mon fils? Le temps est venu. Sans me dire au revoir. Sans me demander la permission. Je dois le préparer à son futur rôle. Il reste ici avec moi. C'est mon fils. C'est le mien. Je lui ai donné de l'amour. Vous, des armes, des jouets, rien d'autre. Je lui ai également donné la vie. Je ne le laisserai pas partir avec vous. Est-ce que vous avez remarqué que cette femme qui vient de tomber là, elle est très belle? Et est-ce que vous avez remarqué que c'est cette femme qui est ici, qui est censée être une sorcière ou bien un démon, qui a fait tomber cette fille à partir des pouvoirs magiques? Et même vous allez voir qu'il y aura un changement juste là, ici. Vous allez voir, regardez bien. Voilà qui est très intelligent, ma chère tante. Regardez bien le visage. Elle a un très beau visage. Un visage extrêmement joli. Mais vous allez voir, regardez également le visage de cet homme qui est là. C'est un visage aussi très beau. Voilà, là on voit mieux. C'est un visage aussi très 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 joli. Mais vous allez voir, la déformation de son visage va commencer. Regardez au niveau de son œil. Voilà. Regardez comment elle est devenue. Suis-je si belle? Ok, elle pose la question à celui-là même qu'elle appelle son chéri, son adoré. Suis-je aussi belle qu'avant?
Revenez juste par l'arrière et regardez bien ça. Revenez encore. Regardez très bien. Regardez déjà comme elle était. Elle était très bien. On peut dire que si elle s'est maquillée, son visage a changé. Mais elle sera face à l'homme de sa vie à qui elle a peut-être caché sa vraie identité. Mais elle va lui poser, elle va, tout cela sera révélé au grand jour. C'est qu'elle a caché derrière le miroir ou quoi, derrière les beautés, les produits de beauté, les maquillages. Tous ces genres de choses vont apparaître devant nous. Regardez ça. Regardez ça. Ouh. Rick, mon adoré, suis-je si belle qu'avant? Suis-je aussi belle qu'avant? Là, elle voit que ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Et cet homme est en train de tout voir. Et c'est la question qu'elle pose. Et que va-t-il dire? Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Lui-même, il est devenu laid. Plus laid que belle, que laid. Est-ce que vous avez vu? Mais écoutez encore. Revenez juste pas en arrière. Voyez cette transformation. Écoutez très bien. Là, on vous laisse. Regardez bien. Les gens veulent se cacher derrière les produits de beauté, mais regardez ce que ça donne après. Rick, mon adoré, suis-je si belle qu'avant? Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Suis-je beau? Oh, oui, tu l'es. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous avez compris un peu? On suppose que la beauté qu'elle avait, c'était une beauté qui a été conçue par la magie, ou par les produits de beauté, ou par les make-up. C'est exactement ce que ça se présente aujourd'hui. Et lui aussi, il avait une beauté conçue par la magie, et par tous ces genres de choses bizarres. Mais voici que la magie les a quittés. Ils n'ont plus le pouvoir d'utiliser leur magie pour pouvoir s'embellir. Alors, ils redeviennent à la naturelle. Et ils se posent la question de savoir, est-ce que je suis beau? Chérie, est-ce que je suis beau? Lui aussi pose la question, ah ma chérie, est-ce que tu es beau? Mon chéri, est-ce que tu es beau? Ma chérie, est-ce que tu es beau? Et ils vont se trouver maintenant jolis. Ils vont se trouver maintenant hors du commun. Ah! Ça veut dire qu'on est plus beau lorsqu'on est à la naturelle. Avec tous ces produits bizarres qu'on se pose sur le visage. Ça veut dire que de la manière que vous êtes comme ça, juste là, à la naturelle, et que nous pouvons vous voir de la sorte, c'est de la même façon que Dieu aimerait vous voir, il aimerait vous rencontrer exactement comme ça, comme il vous a créé. Parce que pour lui, vous êtes très beau ici. Mais revenons juste pas en arrière, et vous allez voir encore ce qui va se passer. Regardez encore ça. Regardez comment elle est. Voilà qui est très intelligent, ma chère. Regardez bien. Bien-aimé, mon amour. Rick, mon adoré, suis-je si belle qu'avant? Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Suis-je beau? Oh oui, tu l'es. Plus que tu ne peux le croire. Elle vous dit à vous! À nous tous ici qui aimons nous maquiller et ne même pas respecter notre beauté naturelle que nous sommes plus beaux que ce que nous ne pouvons l'imaginer. Attendez, revenons un peu en arrière encore. Écoutez ce qu'elle a dit. Écoutez. Mon adoré, suis-je si belle qu'avant? Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Suis-je beau? Oh oui, tu l'es. Plus que tu ne peux le croire. Tu l'es. Plus que tu ne peux le croire. Ma soeur, si tu penses que tu n'es pas jolie, tu te trompes. Si tu penses que Dieu t'a mal créé, tu te trompes. Si tu penses que tes seins sont petits et que tu dois augmenter la taille de tes seins, tu te trompes. Si tu penses que tu as des imperfections sur le visage, voici comme ceci. Dieu peut t'aider à les corriger si c'est nécessaire. Sinon, regardez.
Elle lui dit qu'il est plus beau plus que ce qu'il le pense. Il est plus beau que ce qu'il le pense. Et elle, maintenant, avec cette beauté, il la trouve belle. Même plus belle que belle. Mes frères et sœurs, nous devons en tirer une bonne leçon de cette vidéo. Une très belle leçon. Une très belle et bonne leçon. Parce que il y a tant de choses qui se passent dans ce monde-là. Le diable a décidé de venir et changer notre vie. Et vous devez savoir que cette femme-là, elle était comme ça avant. Regardez comment elle était. Avec lui. Regardez. Regardez. J'ai pensé, ma chère Morgane, qu'il y avait peut-être un moyen de te donner ce que tu désires. Ton fils pourrait être roi. Et comment? Si Arthur bat le seigneur Lot, il sera roi et je ne peux pas me marier avec lui. Tu n'es pas obligé de te marier pour avoir un fils de lui. Mais nous avons la même mère. Et moi, derrière cette façade charmante et agréable à regarder, je ne suis rien d'autre qu'un vieux gnome. Voilà, voici comment les deux s'amusaient. Bien, comme vous venez de le voir, mes frères et sœurs, vous êtes plus beau, vous êtes plus belle, car vous êtes plus belle que vous, ce que vous le croyez. Ah, comment vous l'expliquer? Comment utiliser les mots les plus jolis, mais possible, même pour vous dire que vous êtes jolie? Ah, regardez, moi aussi, j'ai traversé toutes ces choses. C'est le passé, ouais, les gens se maquillaient, ils faisaient des choses bizarres, mais. À cause de Dieu, à cause des conseils des parents, j'ai décidé de ne pas toucher à certaines choses, surtout la dépigmentation. Vous savez que même les garçons peuvent se maquiller, ils peuvent se dépigmenter. Il y a certains de nos collègues qui se mettent même des fonds de teint, des maquillages, juste pour, avant de se filmer. Mais est-ce que nous on fait ça? Mais bien sûr que non! Jésus est joli, donc nous aussi nous sommes jolis! Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Abonnez-vous. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. À 20h aujourd'hui, nous serons en live témoin puissant. Restez connectés. Et vous pouvez regarder cette vidéo qui va apparaître ici à la fin de cette vidéo pour voir ce qui s'est passé avant qu'on arrive jusqu'à là. Vous serez même surpris. Soyez prêts. Un j'aime suffit pour vous faire plaisir. Mais surtout, partagez cette vidéo et retenez bien le message. Prenez soin de vous.